Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBeeMug45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure horrifique. Nous sommes bien évidemment sur Resident Evil 7 et j'espère que vous kiffez toujours autant tout simplement. On a pas mal de choses à faire dans cet épisode. Allez récupérer évidemment la carte d'accès rouge pour pouvoir rentrer dans cette sorte de serre de laboratoire, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas tout. On avait aussi découvert l'importance des psychostimulants, je crois, qui permettaient de voir plein de trucs à travers, et je sais qu'il y a un kit de réparation juste à côté de la caravane. Alors, j'ai un choix terrible. Soit je vais réparer le fusil cassé, parce que souvenez-vous, dans la chambre d'enfant, on avait trouvé un fusil en bois qui permettait de remplacer le fusil cassé, qui a permis de remplacer le fusil en bon état. Donc soit je répare ce fusil en espérant qu'il soit mieux que celui que j'ai actuellement, et je pense, soit je répare le pistolet. On avait aussi trouvé un pistolet cassé. Allez, on est parti les amis, on va récupérer le fusil à pompe qui était cassé, qu'on avait remplacé par le fusil à pompe qui fonctionnait. Donc pour cela, on retourne dans la chambre d'enfant. On va récupérer le fusil à pompe en bois. Grâce au fusil à pompe en bois, on va récupérer le fusil à pompe cassé qui nous permettait... de prendre le fusil à pompe non cassé, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel où même moi, frère, je sais plus où j'habite, je sais plus comment je m'appelle. Donc, c'est pas grave, on va faire les choses en ordre. On va faire les choses proprement. Ah, il y a des trucs à droite là. Oh là là, ils ont vraiment bien caché les trucs, hein, ces petits salopards. Vous êtes vraiment des petits salopards, les mecs. Ah, encore là. J'ai loupé énormément de choses. Ah, une caisse. Un petit plaisir, ok. Il y a une caisse par ici. Hop, cartouche de pompe, je prends volontiers. Crochet, ça tombe bien, j'en avais un, j'ouvre volontiers. Cartouche, je prends volontiers. Ok. Ah là là, c'est vrai que les stimulants, c'est quand même le petit feu, les gars. Le petit feu, je vis de stimulants et d'eau fraîche. Ok, il y a rien, là il y avait rien, non. Donc on va pouvoir retourner dans la chambre d'enfant. Alors là, il y a tellement de choses que j'ai dû louper. Qu'est-ce que c'est? Waouh, munitions de pistolet, tiens, ça fait longtemps. Ok, on prend... Là, regardez, oh là là, mais ils ont combustible, mais ils ont caché des trucs tellement partout. Putain, mais en fait, quand tu fais le jeu avec des psychostimulants, tu vois la vie clairement autrement. C'est pas pareil, plus rien n'est pareil, il faut vraiment tout fouiller. Avec les psychostimulants, tu vois, mais regardez, il y a des trucs tout en bas. Avec les psychostimulants, tu vois tout. Ils étaient où là par contre, fusil à pompe, bidon d'essence allumette, ah, il y a un ballon. Est-ce que ça serait pas le ballon de l'Euro 2016, ça? Non, pas du tout. Allez, ok, ils étaient pas là. Ils étaient où? Ils étaient dans le grenier, sérieux? Oui, ils étaient dans le grenier, exactement. Juste à droite. Bon, les gars, faites-moi pas peur. Normalement, ok, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on a là? On avait une liste... Ah, il y avait... Mais pourquoi une fausse hache, tiens? C'est très étrange. C'est très étrange. Tant de questions, les amis. Tant de questions qui me tuent Lupine. Je sais pas pourquoi. Pourquoi une fausse hache? À quel moment on a besoin d'une hache en bois? Je sais pas, je sais, c'est très bizarre. Je me pose encore la question. Ok, je ne comprends pas. Bon, on va récupérer le fusil à pompe cassé. J'ai toujours pas de kit de réparation, par contre. J'ai toujours pas de kit de réparation. N'hésitez pas à me dire où je peux en trouver un, parce que c'est terrible. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh putain. Oh, les bruits chelous. Les bruits suspects. Ah, une petite tache comme ça, là, de caca. Ok. Bon, on a le fusil à pompe cassé. Alors, en soi, cassé, inutilisable, c'est cool. Mais par contre, j'ai toujours pas de kit de réparation. Et ça, c'est chiant. Parce que ça va faire quand même pas mal de temps. Ça va faire pas... Attendez, il y avait rien, là? Il faut forcément y avoir des petits trucs, là, non? Oh, foudre à canon, je prends. Il doit forcément y avoir un endroit pas très loin où il y a un kit de réparation. C'est très étrange, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave, je ne vous en veux pas si vous ne m'aidez pas, les gars. J'ai l'habitude venant de vous. Hop, des combustibles, c'est bon, on en a assez. Poudre à canon, ok. Bon, bah on est pas mal, on va pouvoir retourner dans la chambre de Marguerite et Jack pour récupérer la dernière carte d'accès. J'ai plus de psycho... Voilà, il y en a apparemment besoin. C'est à la vieille maison qu'il va falloir l'utiliser, ou à mon avis, ça va être très... très 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 intéressant. Et j'hésite d'ailleurs, avant de rentrer dans ce laboratoire maudit, de faire un ultime tour dans la vieille maison à l'aide du psychostimulant. Par contre, clairement, j'irai pas à l'étage. J'irai pas à l'étage, c'est possédé là-haut, les gars. Je vous ai dit que je retournerai plus jamais là-dedans. Si le jeu me dit de retourner là-haut, je n'y retournerai plus. Ok, y a rien d'autre. Alors attendez, on va tout fouiller une petite dernière fois, parce que vous les connaissez maintenant. Ils aiment bien cacher
cacher pas mal de choses derrière les objets, en hauteur aussi. Justement, ils s'attendent à ce que tu baisses la garde. Ok, non. Putain, mais même quand j'ai l'impression d'avoir tout fouillé, ah, il reste encore des choses, quoi. C'est terrible. Ok, là, non. Là, je vois pas. Ok, on peut y aller. Très bien. C'est parti, les potes. Comme on dit dans le milieu... Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh là là ! Les gars ? Oh putain ! C'est un long tunnel ! Oh putain ! S'il y a un boss là-dedans, les gars, ça va être... Oh putain ! Ah mon dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Nickel, c'est vide, un plaisir. Plaisir d'offrir. Munition améliorée, ouais. Alors si tu me donnes ça, je suppose que ça va être pour l'utiliser, hein, on va pas se mytho. Ok. Ok, j'ai la carte d'accès rouge, mais alors là, c'est pas fini. C'est pas fini, on va refermer ça. On sait jamais si derrière il y a quelque chose. Oh, va y avoir un boss là, hein. Oh là là. On peut pas sortir, donc va y avoir un boss. Une armoire. Cette armoire est étrange. C'est déverrouillé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'atelier. Oh putain, on est retourné tout en bas. Salle d'incinération. Faut que je prenne un raccourci, là. Oh, putain. Je trace. Derrière. Allez, allez, j'ai peur. Ok. Je crois qu'on est tranquille. Non, il me suit. Je l'entends. Oh, oh, putain. Oh, putain. Je l'entends, ce petit bâtard. C'est bon, je l'ai fait des pop. Ok. Il suffisait de courir, les gars, pas de panique. Ah, ça nous a remis en bas, d'accord. Ok. On sauvegarde, et puis on continue, les gars. On se laisse pas faire, c'est incroyable. On a les deux cartes d'accès. Alors là, est-ce que ça va encore apparaître d'après vous? Qu'est-ce que j'ai à mettre sur le côté? Carte d'accès, c'est fait, ok. On a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Je... Combustible solide. Ouais, mais on a même trop de choses. C'est incroyable. J'ai un fluide chimique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si je prends ça et les suppléments. Ok. On va les fusionner, justement. Ah, c'est pour créer ça. D'accord. D'accord. Étant donné qu'il m'en reste un, je suis pas sûr que ce soit méga worth. Agent de séparation. Pour être combiné avec certains objets, pour enlever le fluide chimique et créer un objet utilisable. Est-ce que l'agent de séparation, d'après vous, fonctionnerait sur mon fusil à pompe qui n'est pas cassé? Attendez. Ah non. Non, ça peut fonctionner sur les munitions, mais ok. Ah, c'est dommage, l'idée était pas mauvaise. Franchement, les gars, l'idée était pas dégueulasse. Bon, bah pas ce soir, en tout cas. Elle est pas dégueulasse, mais ferme ta gueule. Ok, boîte de fourniture, email de Mia, fusil cassé toujours, manivelle. Y a rien, j'ai toujours rien pour réparer. Un peu chiant. Munitions, ouais, je vois pas. Écoutez, je vois pas. Toujours rien pour réparer, c'est dommage. On peut continuer, les gars. Direction l'atelier. Attendez. Est-ce que par hasard, vous voulez qu'on l'utilise, ça? Ah, non, je sais pas si ça vaut le coup. J'ai envie de... On va faire un petit tour à la vieille maison vide. Oh putain. Non, je vais à la caravane. Vous savez que la caravane, c'est mon lieu sûr. C'est mon petit endroit coquin. Ah! Oh putain. Quoi? Meurs! Waouh, il est beaucoup plus résistant que les autres, celui-là. Ah! C'est quoi ces conneries? Oh putain, désolé, ça c'est... On va pas sauvegarder, faut pas abuser, on attend que le téléphone sonne. Sonne, frérot.
Ah non, sonne. Sonne. Fais pas le con, putain. Oh, y'en a qu'un. Oh, y'en a qu'un qui sonne. Oh non. Depuis quand tu fais ça? C'est incroyable. Y'a qu'un téléphone qui sonne, Miskine, alors que tous les autres, c'est la même ligne. Ah, mais c'est terrible. Ok, bon, on va y retourner. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Comment on va faire? On va faire comme ça. Ensuite... Yo, frérot, t'es où? Je sais pas d'où il va sortir. Bon, allez, c'est pas grave. Putain, c'est pas vrai. C'est pourquoi que celui-là, quoi? Avec ces deux cartes d'accès, tu peux entrer à la fête. Sois pas en retard. Laisse-moi parler à Mia. Non, non, non. Tu dois d'abord te pointer. T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin. Dépêche-toi, mec. Allez, tout le monde t'attend. Ok, tout simplement pour me dire ça, tu pourrais me le dire dans la caravane, hein, frérot. Je vais pas t'en vouloir. Ok, comment on va faire? Je crois qu'il est réapparu. Non, il est pas encore réapparu. Bon, c'est bon, c'est fait. La petite conversation téléphonique. C'est dommage, j'ai qu'une pièce. Ah, j'ai bien envie de retourner dans la vieille maison vite fait. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas un truc de réparation dans son crâne à l'autre là? Pas vrai ça. Pas un kit de répa, les gars. Je veux juste un putain de kit de répa. J'en ai jamais eu encore. Est-ce que c'est aléatoire, franchement? Est-ce qu'il y a un endroit où il y est absolument, il y a un endroit où c'est totalement aléatoire? Et en plus, je sais même plus où est la photo du trésor. Bon, on a pris le psychostimulant, on va l'utiliser quand on va rentrer tout à l'heure dans le bordel. Je suis un petit peu en stress, non, pas les munitions spé. J'hésite, est-ce que je prends... Franchement, ça sert à rien, les gars. Je veux pas faire l'americano, mais ça sert strictement à rien. On va prendre le magnum. Hé! Je me sens beaucoup mieux équipé. Pistolet, fusil à pompe, bidon d'essence allumette. Ok, ça, on peut le mettre là-haut. On est parti pour la fête, les potes? On est parti pour la fête. Hop, on sauvegarde encore, c'est un plaisir, les gars. J'ai sauvegardé au moins 8 fois dans cet épisode. Dans ce début d'épisode, c'est terrible. Ok, allez, on y va. C'est parti, les gars. Faut se mettre en jambes. On va encore être plongé dans le noir, vous connaissez les bails. Et ça me fait vraiment chier, mais on n'a pas le choix. Ok, il est mort en très peu de balles celui-là. Bon, enfin, quand même pas mal de balles au final, puisque je me... Ah oui, d'accord, il y a une vraie fête en plus, il m'a pas arnaqué. Ah, il y a vraiment une fête! Excellent! Il y a un fluide de type très chelou. Ok. Let's play. Ok. Eh ben, tu vois. Eh, ça tombe bien. Ça tombe bien, d'accord. On va essayer de fouiller un petit peu tous les coins, là. Ok. Putain, ça va être super aromatisé, l'ambiance, là-dedans. Ok, belle sono. Ah, il y a les moyens. Il a mis un... Par contre, attention. Alors, quand vous achetez un home cinéma, mettez pas tout d'un coup au même endroit. D'accord. Là, il y a des caisses qui rappellent étrangement la photo d'un trésor. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder là à la télé? Je comprends pas. Putain, par contre, paye tes haut-parleurs sur le déco de la télé cathodique. Foutu appareil. Tu vas marcher, oui. N'oubliez pas que l'abus de drogue est dangereux pour la santé, mais aussi pour les yeux. Ethan. Vas-y, mate un peu ça. Tu sais à quoi ça sert? Tu sais ce que Zoé veut faire avec ça? Oh oui! Zoé, elle pense que ce truc est spécial. Non, Ethan. Ça n'a rien de spécial. Ça. Oui, ça. C'est spécial. Tu vois ?
pas, Evelyn. J'essaie juste de lui montrer. J'essaie juste de lui montrer qu'on ne veut pas tous que les choses redeviennent comme avant. Zoé n'est qu'une sale conne. Elle ne comprend pas que je ne veux pas que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant que mon père nous retrouve. Tout le monde ne veut pas remonter le temps. Alors, Ethan? Ethan? Tu peux te mettre à quatre pattes et fouiller cette vieille barque pourrie autant que tu veux à la recherche des ingrédients, mais tu trouveras que dalle. Ethan, tu veux fabriquer ce sérum? Oh oui! Il va falloir passer par moi. T'entends? Allez bien, Ethan. Qu'est-ce que t'en dis? Oh putain! Ok. Enfoiré! Totalement défoncé. Ok. On est parti, les gars. Alors, le plan est. Et n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de plan. On sait pas. J'avais un plan de l'extérieur, mais là, il n'y a plus rien. Ok. Écoutez, j'essaye de tout fouiller. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De l'herbe, je prends ma foi. J'ai assez d'herbe en réserve, donc hop, on va se soigner avec. Qu'est-ce qu'il y a, pièce d'à côté? Ah bah tiens, ça me redonne. J'en utilise une pour en récupérer. Ah, ça par contre. Ok. Bah attendez, on va se mettre loin. On peut dire que t'as l'œil. Ok. Bah oh, écoute, ouais, Resident Evil 4, ma petite gueule. Bah attends, je peux pas me baisser. Vous savez quoi, on va se baisser pour celui-là. Bah par contre, va falloir s'en rappeler, hein, les mecs. Hein. Hop, munitions de pistolet, je t'ai vu, coquin. On va se baisser pour celui-ci. Et comme ça, si jamais il y a un méchant, je le ramène dedans. Oh. On va se baisser aussi pour celui-ci. Alors, je sais pas si c'est les meilleures des idées. Ok. Je sais pas si... On verra. On verra si ça paye, les mecs. Si mon intelligence totalement incroyable est récompensée. Ok, il y a encore un fil ici, par contre. Ouais, bon, bah celui-là, faut pas abuser. Yes, secret. Kit de réparation. Oh. Oh, je peux plus revenir en arrière. Ah, c'est con. Ah, ça, c'est vraiment ballot. Putain, pour une fois que j'en ai un. Oh non, les frérots. Ok, c'est pas grave, on pourra le faire plus tard. Oh, salopard. Bien, ouais, je m'attends de gueule. Ah ouais, bien joué, ça. Ok. Je vous avoue, je l'avais pas vu. Bah alors, là, va falloir faire très attention, mais alors vraiment partout. Ok. Putain, j'ai enfin mon kit de réparation. J'ai jamais été aussi content. Par contre, comment faire? Ah, c'est dommage, j'aurais dû ramener mon... Mince! Mon fusil à pompe cassé. Oh putain. Ah oui, donc, toi, tu laisses des munitions. Oh là. Doucement, Popeye. Le retour va être dur, hein. Le retour va être très dur. Oh. Le retour va être très très dur, les gars, à mon avis. D'accord. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, vous voyez, là? Oh putain, mais il y en a beaucoup. Désolé pour le bordel. Mais comment on peut faire? Alors, attendez, si je passe comme ça... Ok. Ça passe. Je vais devoir corser le jeu. Ok, ça passe. Oh! Oh bébé! Allez, fin du game, les mecs. Alors là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Où est mon fusil cassé? Fusil cassé, il est ici, frérot. Ah bah là, c'est direct fusil. Oh là 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 là. Il va découper, c'est moi qui te le dis. Kit de réparation, fusil ou pistolet? Ah, fusil. Pop, 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 pop. Alors là, mon petit pote.
ça, à mon avis, ça découpe comme jamais. Ok, merci pour cette petite caisse. Parce que c'est le boss final que vous mettez cette caisse d'ailleurs, vous me faites très peur. Il n'y a pas de quoi sauvegarder, ça me fait encore plus peur. Par contre, il n'y a rien là-haut. Non, il n'y a rien. Ok, fusil à pompe ou pas? Alors là, je sais pas, parce qu'il n'y a que deux cartouches quand même, hein. Ça c'est chiant. Hein. Ça c'est très très chiant. Alors que le pistolet, il aurait pu être un petit peu plus puissant. Aïe, 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 aïe. Ah, je sais. Ah oh, saloperie de mot de passe, hein. Et si t'essayais 08 à 4? Non, 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 non. 06, 2, 1. Non, 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 non. C'est 05, 1, 4. Bah vas-y, tente ta chance, on sait jamais. Je laisse le premier, j'ai rien à foutre. Bougez pas. 08. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est quoi ce bruit? Ok, c'était pas ça. De toute façon, je pense que j'aurais pu essayer n'importe quoi. Ok. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Vous entendez? Ah! Une porte! Ah oui! Ah non! Ok. Ah putain, là t'as de quoi jouer à cache-cache, mon petit pote. Oh là là, s'ils envoient tout maintenant, les gars, ça sent la fin du jeu là. Hein. À l'heure actuelle, je pense qu'on est sur une petite fin du game. Une petite fin du game bien sympa. Ok, cartouche de pompe. Ok. Hop, 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 petit salopard. Wow, Starkey Hutch. Allez, ferme-la. Ça, c'était beau, ça. Oh la vache. Faut mourir, monsieur. Ok, ça, c'était beau. Ça va, je me suis pas laissé surprendre, là, les gars. What the hell? Oh non, mais toujours plus grand. Oh, salut frérot. Oh, salut frérot. Non! Oh putain, c'était quoi? Oh les conneries! Oh, pièce antique, je prends. D'accord. Non! Oh là là, bien wesh. Oh, vous me rendez ouf. Stéroïde, c'est quoi ça? Ça, ça augmente ma vie à vie, je crois. Renforce sensiblement et augmente votre vie maximum, les défaits sont permanents. Ok, on met. On met ça, ça vaut le coup de ouf. Oh putain, en plus, ça soigne total. Aïe, 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 aïe. Alors, qui fait les shows, là? Ok. Ça, on peut ranger, y'a rien là-dedans. Ah, j'ai appris à tout fouiller, maintenant. Bon, on me la fait plus à l'envers, hein, les gars. Ok, y'a plus rien. Ok! Ça va être très sympa! Oh putain! Attends. Allez, ça dégage! Non! Ah, salopard! Bien joué à toi! Faut toujours... Voilà, toi t'es mort, et toi frérot, faut passer aussi à la caisse. Wow, 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 ça c'est nouveau ça, ça c'est bien joué ça. T'as appris des petits trucs, c'est cool ça. Ok, je me suis quand même bien fait enculer en tout cas, un vrai plaisir. Hop, munitions spé, j'en ai rien à foutre. Là y'a rien. Tu peux allumer ta torche s'il te plaît, frérot Ethan,
J'hésite à utiliser l'herbe. Et c'est quoi, on l'utilise? J'en ai plein dans le coffre encore. On va pas faire... Ça, je prends ça, bébé. Ok. Ok. Donc, comme quoi, tout bien fouillé. C'est la clé du succès. Oh là là! Désolé, je vais découper, les gars. C'est moi qui vous le dis. Attendez, parce que là, je fais le show. Je fais le show, mais on est sûr de rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Très bien, je me suis fait enculer, j'ai cru que c'est... Ah, putain, j'ai utilisé une mini-prospect. Ok, d'accord, point de sauvegarde. Cartouche de... Non, mais les gars, ça va être éternel. Hein. Là, on va se taper un nombre de boss, frère. Je sais pas si vous êtes au courant des bails. Je sais pas si vous connaissez les bails, d'ailleurs, mais là... Waouh, là, ça va être dingue. Ça va être dingue, 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 dingue. Comment on va faire? Comment on va faire? On va prendre de l'herbe. Pourquoi j'ai deux types d'herbe? Ah, parce que j'ai carrément des stacks entiers. Ok, on va prendre de l'herbe, on va se faire un petit... un petit heal. On va pouvoir le remettre. On a un psychostimulant, on va peut-être l'utiliser, ça me paraît pas mal. Ça me paraît logique. Et ça me paraît sincère. On a une nouvelle pièce, ok. Ah, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voulez qu'on aille voir quand même de l'autre côté là-haut, là? Attendez, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va aller voir quand même de l'autre côté. Faut pas pousser mémé dans les orties, bien évidemment. Donc, on va aller voir, comme ça, ça égale 40 minutes, et les gars, vous pouvez juste me piper. C'est normal, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, j'ai pas honte de partager. Plaisir d'offrir, hein, comme on dit, dans toute bonne chocolaterie. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, et là-haut aussi, on a beaucoup de choses. Ok. Alors, attends, j'ai pu me faire avoir. C'est quoi ça? Oh! On va pouvoir se faire des munitions de pistolet. Toutes les munitions qu'on a perdues. Ok. On remet les munitions améliorées. J'ai beaucoup de trucs. Hein. Les gars, j'ai pas mal de fluide et tout. D'accord. Hop. On va remettre les classicos. Ah, j'ai vraiment énormément de fluide. Ça commence à devenir très intéressant. Comment? Faut tomber là? Ok, faut tomber. Allez, vas-y, on tombe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien à foutre. Ouais. Refais plus des trucs chelous comme ça parce que c'est très bizarre. Là, il y a un fil, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Il va y avoir des vaches mutantes, ce serait énorme. Ok. Combustible, c'est pas ouf, hein, très clairement. D'ailleurs, on les utilise même plus. Peut-être une erreur. Ok, il y a l'air de... Oh putain. Ils vont lâcher la bête. Il va y avoir une bête ici. Info quasi sûre. Ok. Ok, je sais pas ce qu'ils vont lâcher. On va quand même aller tout en haut pour voir. Mais ils vont lâcher quelque chose. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Une batterie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois. Non, mais les gars, vous me mettez des combustibles. Ça veut dire quoi? Salopard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les combustibles, là, les gars? Qu'est-ce que vous... Ça veut dire que je dois tout brûler? C'est peut-être un signe? Quoi? Oh, j'ai eu tellement peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ok, on a la batterie, c'est parti. Bon, écoutez, on va la mettre. On va la mettre là-dedans, aucun putain de souci. Ah! Oh putain! Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue à Massacre dans la Grange! Pas de combat, messieurs, il y a des règles! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air énorme. Va te faire foutre! Ça a l'air énorme! Ah! C'est la façon d'affronter les épreuves de la vie qui fait de toi un homme et un... Ok. Ok.
Ouah, tu fuis, frère! Dégage! T'as des fuites! Allez, il est mort. Le contre... Ah! Oh putain! J'avoue que tu m'apprécies. Le gros est à terre. Le gros est à terre. Il a jamais été mon favori. Oh non. Il y en a un autre? Putain, il a fait toute une installation, c'est incroyable. Il y en a un autre? Mais où on est là? Ok. Il a jamais été ton favori, ça veut dire qu'il y en aura un autre. Quand, je ne sais pas, mais... Oh putain. On va prendre le fusil à pompe parce qu'on n'est pas à l'abri là. J'entends des bruits chelous, des bruits suspects. Mais pourquoi je suis descendu au final? Ah, une nouvelle pièce. Voilà pourquoi. Ok. Ok, 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 on va tout fouiller. Rien. D'accord, on peut continuer. Là, il n'y a rien. Je recule parce qu'on n'est pas à l'abri d'un screamer. J'ai plus de balles de pistolet, c'est triste. Ok. Des petits suppléments, je prends. Un petit fluide, je prends. Une petite poudre à canon, non? Ça serait pas mal. Ah, j'ai des combustibles, ça sert à rien. Ok, là, on n'a plus rien. Oh putain. Monsieur, je crois que vous êtes mort. Monsieur, je crois que vous êtes dans un sale état. Ok, 14-08, tu es le prochain. Ah, c'est celui qui avait cramé, je crois. Dur. Terrible pour lui. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, une pièce antique, je crois. On est à combien de pièces antiques là? On est à pas mal. On est à pas mal de pièces antiques. Ok, voilà, bonne chose de faite, les potes. Donc, c'était 14-08. Qu'est-ce qu'on peut... Oh là là, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. J'ai encore du... Un petit tour avec le psychostimulant et puis on va sauvegarder, les gars. Pour finir la vidéo, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. J'ai combien de pièces? De toute façon, je peux plus sortir. J'en ai que 3, ok. J'ai 2 crochets, ça a pas l'air de servir à grand-chose en soi. J'ai des suppléments, ouais, agissant sur le système nerveux, j'ai compris. J'ai un fluide, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de se faire des balles de pistolet? Je sais pas encore. D'accord. Ah oui, mais on peut pas. On peut pas faire demi-tour, en fait. J'y pense, les potes. On peut que passer par là. Si, 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 bougez pas. Bougez pas. On va faire très, très simple. On va repasser par ici. Et effectivement, il y avait... Ah! Oh, putain, mec! En fait, on loupe de ces trucs. C'est terrible! Enfin, je loupe de ces trucs. Franchement, qui l'a vu? Dites la vérité, les mecs. Eh, mettez pause à la vidéo, mettez un commentaire. Qui a vu les cartouches de Peupon? Je veux la vérité, hein. La vérité. Ok, là, il n'y avait rien. Ah, là, on avait quasi tout fait. Je regarde aussi de l'autre côté, vite fait. On en profite. Ah, putain, j'ai utilisé un psychostimulant pour rien. Pour une fois que j'ai tout bien fouillé, quasi. Ok, j'ai utilisé un psychostimulant pour rien du tout. Info sûre. Ouais, 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 ouais. Et là, bougez pas, on va faire un petit tour là-haut quand même. Ah, dommage. Ah, je suis deg. J'ai utilisé un psychostimulant pour rien, c'est terrible. Bon, bah écoutez, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 11. Portez-vous bien, bisous tout le monde, ciao, ciao.